Ça y est, Tabasco va gambader. Pas beau ça. Allez, on sort du pont. Parce que le winch, on va se servir pour l'écoute de grand voile. L'écoute de grand voile, c'est ce rail qui va de bâbord à tribord et qui sert à régler, évidemment, comme son nom l'indique, la grand voile. Donner un peu de finesse au réglage, déborder, à serrer. Voilà, c'est celle-ci. Donc, on la met autour du winch. Dans le self-tailing, cette gorge qui coince l'écoute, la manivelle que je prends soin d'enlever le plus souvent possible pour éviter les accidents physiques. Là, on va déborder un petit peu le rail d'écoute. Donc le rail d'écoute, c'est ce qui se trouve là derrière. Là derrière, le rail d'écoute. Donc pour le déborder, ben, à tribord, on choque un peu. Voilà. Et on peut reprendre à bâbord. On voit qu'il y a une belle petite houle quand même. Ben, où va-t-on aller? Ben, on n'en sait rien. C'est le vent qui va nous guider un petit peu. Là, on serait tenté de partir plus à l'ouest, vers la Ciotat. Hein. Allez, go. On va défaire la poste en rouleur. Voilà. Dérouler la rouleur, voir un peu de quel côté on coupe le circuit, l'autre plutôt. Bon, ben, le Tabasco, il gambade. Enfin, c'est beaucoup dire. C'est beaucoup dire. Et enfin, nous voilà en mer. Alors, au niveau du vent, c'est 6 nœuds, grand maximum. Au niveau de la vitesse,
Je sais pas, il faudrait voir, mais bon, on s'en moque un peu, mais ça doit être 2 nœuds 5 dans les pointes. Alors là, il faut que je m'accroche. C'est 3 nœuds. Mais ça, on s'en fout. Ce qui est bon, c'est d'être ici. Sur le Tabasco. On va faire le bisou au Tabasco. Bon, Tabasco, on se retrouve à Gambadou. Hein. Ouh là là, j'ai bien malissé la grande voile. Mais bon, vu l'air qu'il y a, c'est pas méchant. Pour l'instant, ça peut un peu se lever, peut-être. Mais on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Devant nous, là-bas, la Ciotat et les Calanques. Ciotat, Calanques. Donc, Marseille. Pas grand monde de sourds. Deux voiliers là-bas aux Anglais, devant les Anglais. Et allez, on prend un chouïa de vitesse, on avance. Bon, il y a une belle petite houle, mais pas gênante. Il faut dire qu'il y a 3 jours, il faisait 110 km/h au devant, de Mistral. Ça a soufflé très très fort. Et ce, depuis une semaine, une bonne semaine de Mistral intense. Abattage. Donc pour une sortie à la journée, je les rentre pas, je les laisse sur les passes avant. Mon Dieu, mon basilic. Oh là là, mais que je pense à la décrocher ça. Oh, au pire. Dans les drosses de la Pharaon, ça me fatigue. Ça, à voir. Et alors, Deda, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il est quand même 12h30. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas cueilli des patins qui se préparent. Voilà, pas tout piste, on va pas changer les bonnes vieilles habitudes. Hein. Je mets pâte et on va rentrer dans Port d'Alon. La crique de Port d'Alon. Ça tombe bien parce qu'il y a un petit bateau qui s'en va. Un petit bateau, un voilier. Il sort, il nous laisse la place, c'est pas gentil. Hein. Au Baléar, on appellerait ça une cale. La cale d'Alon. Et on appelle ça le Port d'Alon. Porto, comme en Sardaigne c'est tout Porto, Porto de ci, Porto de là. Enfin, toujours est-il que c'est super mimi. En
Ben, jeter l'ancre ici, une petite heure, une paire d'heures, on va dire. Allez, à très bien là. Coupez pour le moteur, Pierrot. On va mettre tout petit coup d'arrière. On va pouvoir dérouler un peu de chaîne. Ben, on voit que la chaîne. Alors en fait, je laisse le barbotin desserré, enfin serré au minimum. Et comme ça, la chaîne peut s'étaler, descendre. Petit coup d'arrière. Voilà. Et là, on voit bien que, avec le coup d'arrière, quand nécessaire, ben, la chaîne déroule. Petit bourrage. On va serrer pour pas que ça parte. Que s'est-il passé? Oh, ben ça suffira. On est à 15 mètres à peine. On va rouiller quand même. Hein. Voilà. Et mon point de jonction, il est là, le point de jonction. Alors, il y a un maillon qui a énormément rouillé. Ça doit être un effet d'électrolyse. Mais bon, il est encore solide. Et mon maillon de raccordement en inox, il est nickel. C'est mouillé. C'est pas bien, là, dit. Eh ben, il y avait l'autre temps. Waouh. Bon, on va laisser finir ses pattes parce que c'est pas tout ça. On s'en va, on a passé le bon après-midi et là il y a mon héros quand même. Le baigneur là. Le baigneur. Oh lui il est formidable. Oh. Alors il me dit qu'il vient de Bourgogne. Moi je croyais qu'il venait d'Islande. C'est pas possible pour se baigner là. Quel malheur. L'eau doit être à petit 15-16. Hein. Donc ça fait une semaine qu'il fait du mistral, que la température ben, le matin est à 4 degrés. Là, cet après-midi, estimation, un petit 19-20, là, quand même. 18-19, quoi. Allez. Bon, ben, on quitte ce très joli mouillage, on était bien. Mais dans une heure et demie, il fait nuit. Alors, certes, on va pas mettre une heure et demie pour rentrer. Oh, tain, faut que je lave les panneaux un peu, là. Ah, oui. Ça nuit à leur efficacité. Oh, et lui, il se baigne, il ne fait pas semblant en plus. Hein. Quel malheur! Qu'est-ce que c'est beau! Ah, il faut reprendre la drisse. Thinking of you.
Alors côté voile, ben, ça ne fut pas une grande réussite. Hein. On a peut-être fait une demi-heure de voile. Mais qu'est-ce que c'était bon que d'être en mer. Oui, joli captain. Ouais, c'était bon d'être en mer, voilà. Depuis tout ce temps, et retour par un joli coucher de soleil. Il est 17h, pas encore même, oui 5. Et bientôt il fait nuit. Allez, à la prochaine.